Conseil national télécommunication Conatel signé un protocole d'accord avec l'Université l'État haïtien pour étudiants UEHO aider identifier problèmes qui gagnent dans domaine radiodiffusion dans pays a et puis faire proposition yo d'après directeur général Conatel là Jean-Marie Guillaume qui t'a parlé dans une conférence pour la presse journal lundi a. Comme ça propriétaire média yo a suspendu associé travail Conatel à activité politique toujours selon Jean-Marie Guillaume qui était dans micro collé il de reste. En Haïti à partir de référence qui t'a posé. Donc nous avons fait plusieurs recherches et dans zone port de paix et nous avons arrivé à identifier deux sous-interférences. Première interférence que nous avons, c'était des stations légales, c'est-à-dire des stations qui ont une licence qui ont pas interférence. Et ceci c'est parce que l'équipement n'a pas respecté les normes. Donc nous allons nous discuter avec les propriétaires radio de manière très amicale, puisque quand même ce régulateur pionnier. Et n'a régulé au secteur. Donc, nous, ça, c'est un respect pour le monde que nous avons régulé. Donc, nous déchirons avec tout propriétaire de station, ça, nous avons des problèmes techniques qui ont l'équipement. Yo. Et à partir de là, on est là, nous prenons des mesures et pour éliminer affaire et interférence qui est sortie dans des stations, capable de dire légales. Et même qui étaient accepté suspendre fonctionner en attendant que l'équipement ait été fait ajustement pour être fait. Donc, nous n'avons pas de problème. Côté que nous avons rencontré problème, c'est au niveau de stations illégales. Au niveau de stations illégales, et évidemment, et tout le monde criait que c'est un problème politique. Et nous sommes capables de dire que pas de rien de politique dans le dossier. Hein. Et l'île pour nous suspendre, associer tout problème à la politique. Et nous sommes en correspondance, nous sommes en communication. Et permanente avec et FAA, et la Fédération américaine d'aviation. Et nous sommes arrivés à fermer quelques stations illégales. Et pendant que nous avons fermé les stations illégales, pendant que nous avons en communication avec FAA, et bien, nous avons dit nous, chaque fois que nous fermons une station, et bien, notre interférence diminue. Donc nous sommes capables d'arriver à résoudre le problème d'interférence là, en fonction de station radio que nous avons fermé. Et malheureusement, la station radio qui vient recommencer à fonctionner encore. Et le jour que recommence à fonctionner, nous recevons l'autre correspondance de FAA qui dit que l'interférence a recommencé. Donc nous sommes obligés de prendre des mesures pour que nous refermions la station radio. Et nous avons rencontré des gens très hostiles pendant que nous avons fermé la station radio, ce qui fait la semaine dernière. Et malgré que nous sommes hostiles, nous avons réussi à faire ça pour nous faire. Mais malgré que nous sommes hostiles, nous sommes capables de dire qu'au moins, le lendemain, nous avons reçu des messages côté que même les gens qui étaient très hostiles, nous avons voulu présenter excuses. Et nous avons dit que ça qui fait plan, ça qui nous a fait, l'attitude que nous avons gagnée, nous n'avons pas de gagner. Et donc, il y a une lettre d'excuses pour qu'on appelle. Donc, que nous apprécions en pile. Parce que il y a des moments, le monde dit qu'il va faire une radio, on est capable d'associer à un problème personnel que vous avez là-dedans, même capable de rassurer nous que ce n'est pas pour aucun problème personnel. C'était pour justement pour nous résoudre un problème urgent, puisque le problème là, très urgent, puisque nous avons un problème d'interférence avec l'aéroport Miami. Donc, encore une fois, ma priorité aujourd'hui est que. L'heure où on demande au monde pour une station radio et pour une station radio en bonne licence, et c'est pour qu'on y a là, le problème d'interférence, qu'on a-t-elle capable d'identifier exactement qui côté que le capable d'interférence est sorti, et de manière très rapide. Parce que, je vais vous dire, l'heure où la station la pirate, il prend le temps pour arriver à déterminer qui côté que la station est. Et pendant que nous prendre temps pour déterminer côté que station est, et bien le problème qui vient arriver, c'est que l'interférence là, avec avant qu'à voler, continue à faire.